Les entretiens entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale libyen, Faïza Sarraj, ont été élargis aux délégations des deux pays. Les discussions ont eu lieu au siège de la présidence de la République, en présence du côté algérien du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beljdoud, du directeur de cabinet de la présidence de la République, Nourdine Ayadi, ainsi qu'un représentant du ministère de la Défense nationale. Et du côté libyen, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Tahar Siala, le ministre de l'Intérieur, Fethi Bechara, ainsi que le conseiller à la sécurité nationale, Tejdine Mohamed Arsqi. Par la suite, Faïza Sarraj a quitté Alger. Il a été salué par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum. Et auparavant, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale libyen, le GNA, Faïza Sarraj, était arrivé à Alger, à la tête donc d'une importante délégation pour une visite d'une journée en Algérie. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Ouari Boumediene par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, le Premier ministre des Affaires étrangères Sabri Boukhadoum et le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beljdoud.